Ça m'a inspiré le Molière. Alors je renifle, j'inspire le bon et je regarde le beau de l'air du temps. Juste là, des abeilles femelles qui dardardent et fleurent du mal. Et puis, là-bas, le père Goriot qui récolte les blés. Il honore et bat le sac de grains. Ça me rappelle, moi, son âge. Alors, j'expire. Et soudain, une drôle d'odeur, un drôle de bruit. Marcel Prout. Juste une vieille odeur de madeleine. La fameuse. Et puis, je marche dans ce champ de marguerite et le temps Duras. Et une coccinelle, toute de rouge et de noir revêtue. Ça m'inspire un poème. En rouge et noir, j'exilerai ma peur. J'irai plus loin que ces montagnes de... en rouge et noir. Elle s'envole. Elle se pose sur un caillou. Ah non, Stendhal de pierre. Et puis, juste là, une corneille, un corbeau, un renard. J'entends le bruit de l'eau de la fontaine. Une muse, juste là-bas. Alors qu'est-ce qu'elle crie? Bah oui, la muse gueule. Salut au paradis. Bon, moi je respecte les paroles d'évangile, donc j'y crois. Oui. Et donc là, ce jour-là, je croise Jésus. Jésus, en personne, je croise Jésus. Ah, Jésus, tu vas où? Il me dit, je vais au Barbarin. Donc je suis sans mes enfants. Et puis là, je me perçois en fait que toutes ces personnes peuvent s'entendre entre elles parce que ce jour-là, Jésus ne bouda pas son plaisir et halla au bar mitzvah. Donc je le suis et là, j'arrive dans une soirée déguisée. Bref, et pour tout vous dire, un bal mosquée. Oui. Donc là, j'arrive dans le bar et j'ai compris que le code de la soirée, c'est Abénus quelque chose. C'est comme ça qu'on se parle. Donc je rentre dans le bar, que des guests, des invités et tout. Et là, d'un coup, oh, Zeus, hé, Abénusaka, un autre, la moustachite, hé, Abénusaki, je suis impressionné, hein, c'est-à-dire que des gens connus. Je continue ma soirée comme ça, puis d'un coup je fais oh non! Ganesh, hé, Shiva! Shiva et toi? Ouais, Shiva. Non, j'étais content. Hein. Donc, grosse soirée, ça continue, tout ça. Alors là, d'un coup, hein, je m'avance dans ma soirée, et là, je rencontre les trois. Les trois qui crèchent ensemble,
Melchior, Balthazar et Abbé Moustiouf. Bonne soirée, tout ça, voilà, ça se passe bien. Et puis alors, là, d'un coup, hein, je suis un peu, c'est que des gens venus. Hein. Et là, au bout d'un moment, je passe qui ? Moïse. Le vrai, hein. Il était attablé avec les trois autres, là, Athos, Mantos et Anubis, là. Mais là, donc, je suis un peu impressionné. Et là, je croise Moïse, alors, d'une main, il lit la prêche. C'est son quotidien. Et de l'autre, il se gratte le buisson ardent. Il était aussi la même table que Adam et Ève. Je suis impressionné. Adam et Ève. Je suis impressionné. En ce moment, c'est un peu moyen entre eux, apparemment. Adam et Ève, c'est. Apparemment, il rame Adam. Elle lui a préféré un jeune. La compréhension entre contre le combat et comportement con. Tu devrais être en train de conversion. Ah, là, la compassion n'est ni compromis, elle ni consultation. Et qu'on soit là ou non, bah, tu rencontres. Alors on vote à la nature et consacrée à nos compatriotes et rencontrés. Qu'on n'arrive à rien avec des cons. Qu'on se dise et qu'on y croit. Et qu'on se dit et on y croit. Mais ta complaisance est incompatible avec la compassion pour le peuple qu'on assassine. Combien de combats et contre quoi? Et qu'on ne condicile de la connerie congénitale. Et nous demanderons ta comparution dès qu'on constatera et concrètement quelle conception contestable tu as du monde qu'on veut se constituer. Nana. Ouais, bravo, ouais, y'a l'ambiance, super, ouais, Rolo, ouais. Et quoi qu'on en pense, conservons nos contre-pouvoirs pour qu'on puisse un jour conditionner avec tous nos compatriotes la bêtise de ces conservateurs dans un congélateur à fermeture condamnable. Alors dans cette continuité, nous vous nourrons. Alors je dis ce que je veux, c'est mon spectacle. Non, voilà, je reviens à mon petit garçon, donc je suis papa comme une servante. Ah, j'ai une belle salle de droite. Hein. Marine, tu t'appelles Marine, on peut déjà légitimement penser que avec un prénom pareil, tu mourras du noir. Et on peut penser légitimement que ton père, il t'a toujours à l'œil. Que sa chanson préférée, c'est Born to be alive. Bref, peut-être qu'il a un œil qui sert à rien. Ok, donc là, je vois qui... En vrai, les prénoms à lui, c'est une personnalité. Voilà. Et donc voilà, on parlait avec Marie tout ça, et puis alors suite à cela, je parlais avec des amis, la famille, tout ça, et on m'a dit, bon, maintenant, vous avez un bébé, ce qui serait quand même intéressant, c'est peut-être de le... baptiser. De le baptiser. Je n'ai rien contre le baptême. Moi, genre, c'est l'occasion de festoyer en l'honneur de l'enfant nouvellement arrivé, on m'arrête la famille, les amis, les voisins. Puis, en général, un baptême, c'est chiant. Il y a un truc qui me gêne dans le baptême, c'est le côté religieux. Les amoureux. Eh, moi je suis pas chiant. J'ai dit oui. Je suis pas chiant. J'aurais dû dire non. Alors je vous la refais. Hein. J'arrive comme ça. Ne connaissant ni les mariés ni les invités. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Bonsoir. Bonsoir. Il y avait la même ambiance en vrai. Mesdames, voilà, donc je suis sincèrement ravi d'être là ce soir en l'honneur du mariage de.
de Kiki et CC. Alors je sais c'est Balou, mais je sais pas c'est Kiki et qui c'est CC. Alors je me dis peut-être qu'ici quelqu'un sait qui et qui sait. Non. Les personnes qui sait. Bon. Bah ce qu'il y a de sûr, c'est que Kiki sait qui c'est CC et CC c'est qui Kiki. Ah bah si ils sont fiancés, qui c'est qui et l'autre c'est qui il est. Allez c'est Kiki. J'ai quand même pas demandé à Kiki, mais Kiki qui sont les sports, Kiki, mais qui c'est Kiki.